Bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Emma. J'ai 25 ans, j'ai deux enfants et je tricote depuis environ 3 ans, depuis que je suis tombée enceinte de ma fille. Voilà. Vous venez ici sur une chaîne de tricot et puis de la vie de tous les jours, vu que je fais très très régulièrement des vlogs, quasiment chaque semaine ou sinon c'est des podcasts, pour venir vous montrer mes avancées tricot, mes objectifs que souvent je ne n'arrive pas à faire ou parfois que j'y arrive et c'est marrant. Donc aujourd'hui on est le mardi 4 avril. Je suis pas venue hier parce que hop, je vois les chiens qui courent. Oui, j'ai des animaux aussi. J'ai 4 chiens, 2 chats et des poules et coqs. Voilà. N'hésitez pas à vous préparer un café. Voilà. Donc on est le mardi 4 avril. J'ai pas mal d'avancées sur un projet que je vais vous préparer et des nouveautés. Alors depuis quelques semaines, tout d'abord, enfin, j'arrête pas de vous dire, mais je pense que je vais abandonner cet objectif. C'est de n'avoir en fait d'être monoprojet, sauf que ben à chaque fois je me stresse un peu avec ça. Voilà. Et je pense que la vie est trop courte pour pouvoir je fais toujours des j'ai toujours du mal à parler, j'aime pas trop parler devant une caméra, même si j'aime bien vous parler tout ça. Ça me stresse un peu, donc n'y faites pas attention s'il vous plaît. Alors, donc je veux pas me bloquer dans un seul projet. La vie elle est trop courte et le tricot c'est une passion et pour moi il faut pas stresser pour ça. Du coup bah pour le moment ça va être de kiffer grave. Voilà. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter ce que je porte. Je porte le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli, que j'ai tricoté dans les laines de Arco Iris Yarn. C'était un fade, il me semble, dans le coloris un peu Star Wars ou dans ces genres-là. Et il y avait aussi des laines bleues que j'ai pas utilisées parce que je pensais que ça, enfin, je voyais que ça allait pas être... enfin, j'aurais pas aimé le rendu, voilà. Donc j'ai fait ce beau... J'ai tricoté ce beau pull quand j'ai accouché de mon fils à la maternité. Voilà. Enfin, j'ai pas fait tout ça, mais j'ai une bonne partie tricoté le pull à la maternité. Voilà. Donc, voilà. Donc, on revient aujourd'hui avec une bonne avancée sur un projet. Et je vais vous expliquer ce que j'aimerais bien faire cette semaine. Et les projets qui vont arriver cette semaine sur mes aiguilles, il y en a deux. Alors, tout d'abord, je teste un pull, donc le pull romantisque. Je pense que le pull, c'est pas le bon, la bonne... je vous mettrai en dessous le nom exact de du projet. Il me semble que c'est pas pull, mais je vous mettrai en dessous. Que je teste, donc c'est le pull romantisque que je teste pour Lucienne Tricotte, donc Élise. Et bah, je vais vous montrer. Attendez, hop, j'enlève les poils. Parce qu'il y a des chiens, il y a des poils partout. Et mes cheveux que je perds aussi. Alors. Je vais y arriver. Tadam! Alors. La dernière fois, je devais en être au milieu du point smoké, donc le point ici. J'aimerais bien. J'espère que ça vous allez bien voir. J'ai vu la dernière fois, ma qualité de vidéo n'était pas terrible sur YouTube. Parce que je regarde toujours au moins un petit début pour voir si ça va. Donc voilà, le point smoké c'est ici.
Et là, je suis arrivée. Je voulais en fait pour la fin de la semaine finir le point, au moins le point smoké. Et en fait, là, j'en suis à quelques, enfin pas beaucoup de centimètres, hein, mais un petit peu en dessous des emmanchures. Donc j'ai fait la séparation du corps et des manches. La couleur, elle est. Je l'ai essayé hier. J'étais fan. Mon chéri était là en train de me dire, oh ouais, ça te va bien quand même une couleur comme ça. Je vous laisserai quand il sera un petit peu plus avancé parce que ça m'arrive juste en dessous du soutien-gorge en fait. Et c'est une pépite à tricoter. Ça va très très vite. Bon, le point smoké, il faut tenir un peu parce qu'il y a beaucoup de mailles sur les aiguilles. Mais après en fait c'est que du jersey et ça va quand même vite à monter. Voilà. Là j'ai bientôt fini. Il me reste ça de mon premier écheveau. Je vais vous dire les laines dans lesquelles je le tricote juste après. Après avoir fini mon premier écheveau, je vais mettre en route les manches. Comme ça, je les aurai faites. Et je pense que Elise attend aussi le corps après en jersey tout droit, ça va. Mais attend aussi au niveau des manches. Pour le test, hein, bien entendu. Je dois l'avoir fini pour le 28 avril. Donc bon bah on déroule, on déroule. Voilà, c'est une petite beauté. C'est tricoté du coup dans les laines de Ophidorus. Dans sa base, je vais vous dire exactement pour pas faire de bêtises. Gizé Socks avec de la lurex dedans. Et dans son coloris 7. Donc il y a quelques petites nuances et c'est mais d'une beauté. Et la lurex, elle ressort mais tellement bien. Et elle est très bien. Proportionné quoi, il n'y en a pas plus à un endroit qu'à un autre, donc vraiment c'est très très beau. Voilà. Je sais pas si on verra, moi je le vois en tout cas à la vidéo, mais je ne sais pas si on le verra. Voilà, du coup voilà. Donc je finis mon objectif de cette semaine, c'est de finir cet écheveau là, le petit bébé, et de commencer en fait les manches. Je vais m'y mettre cet après-midi, je vais faire ça aujourd'hui, je pense. C'est une beauté. Donc souvent je le prends. Bon là il roulotte un peu, mais en le bloquant il va plus roulotter. je suis très contente de le tricoter. Je le tricote souvent, je le prends quand je suis avec les enfants par là. Et quand j'ai 2 minutes de. Pardon. Quand j'ai 2 minutes devant moi, je le prends et je tricote quelques mailles. Comme ça avance tout doucement. Voilà. Ensuite. Oui, du coup je le mets dans mon sac à projet de Malora et Design. Donc c'est avec des hirondelles. C'est un sac avec un panier au fond pour avoir une facilité. En fait, le sac ne tombe pas, il tient au niveau du fond, puis on peut dérouler la laine comme ça. Hop. Je me permets de boire un petit coup, j'ai soif. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien avancer aussi, si je peux faire les manches pour. Hop, non, pas, punaise, j'ai du mal à parler, désolée. Alors, j'ai tricoté du coup mon. Je participe au CAL, je vais le dire bien. Au CAL, Joannette partie. Organisé, désolé, ça tourne dans ma tête, c'est un truc de dingue. Je participe du coup au CAL Joannette organisé par Pignanit depuis le 1er mars. Il finit le 20 mai, il me semble, donc dans un petit 2 mois. Et j'avais fini le corps en fait et les coutures la semaine dernière, fin de la semaine dernière. Je fais la taille 3. Il est. Magnifique. Donc c'est un pull qu'on tricote en côte perlée avec un beau petit nœud derrière. Bon, je vous laisserai aller voir ma précédente vidéo pour voir comment ça se fait à peu près, hein, parce que bon, c'est un patron payant quand même. Et en fait, cette semaine, ça serait bien que je mette les manches en route. Ah, ça me gratte, il y a du mohair. Que je mette les manches en route pour bah, pas délaisser ce pull aussi. Parce que comme il y a 2 autres projets qui arrivent. Et du coup, ça serait bien que je puisse au moins mettre au moins une manche dessus. Voilà.
Je le tricote du coup dans les laines de Drops en Flora coloris brume et en Kid Silk. C'est bien la Kid Silk. Ouais. Kid Silk coloris lavande claire, voilà, en double. Et c'est une pépite à tricoter. Si vous voulez encore nous rejoindre sur le groupe, il n'y a pas de souci, vous pouvez. On sera là pour vous aider et pour papoter avec vous. Ensuite, ah, je suis vraiment désolée. Ah, ça va aller. Oui, je... faut que je mette en place un peu mes idées, vraiment désolée. Je vêtrai... En ce moment, je préfère tricoter qu'aller sur mon téléphone. Donc tout ce qui est réseau, tout ça, souvent, c'est pouf. Et quand je vois un test... un appel au test en fait sur les réseaux, je vois ça comme un petit signe, surtout quand il reste ma taille. Je prends souvent, la plupart du temps, je prends la taille 105 cm et c'est une taille qui part très vite pour les tests. Et du coup, en fait, le voisin vient de passer. Génial. Ça va. Et du coup, en fait, quand je vois qu'il reste ma taille, ben, je vois ça comme un signe. Du coup, comme j'aime bien aider les designers à tester leur modèle, du coup, je me propose. Et cette semaine, du coup, j'ai eu l'occasion de m'inscrire à deux tests. Le premier, c'est le test... en fait, j'ai reçu un mail de Malora et Design dans sa newsletter. C'est là qu'elle fait son premier jet d'appel au test un peu. Et après, elle le fait sur Instagram avec les tailles qui restent. Et elle demandait un test pour un t-shirt. Donc c'est un pull à manches courtes. Donc c'est corps jersey et dentelle sur les manches. Je pourrais vous le montrer, mais une partie, je vous montrerai que le corps, épaules et manches. Comme ça, voilà. Et j'ai demandé à faire ma taille en français, parce qu'elle demande en français et en anglais. J'ai demandé en français et j'ai été prise pour le test. Du coup, j'ai regardé je suis contente quand même parce que j'ai pu prendre des laines de mon stash. Voilà. Je vais le tricoter dans deux laines. Donc la laine principale, en fait, je vais la tricoter dans la... Ça fait un moment que je l'ai celle-là. Je ne savais pas quoi en faire. Et en fait, je me suis dit, je vais la tricoter avec ça. Donc c'est la Tricot et Stitch de la Single. Et c'est son coloris Flower Queen. J'ai deux écheveaux pleins. Et bien entendu, vous avez le fil qui est pendouille. Et j'ai un écheveau, en fait, que j'avais utilisé pour un autre projet qui me reste. Je pense que j'en aurai assez, mais pour utiliser un de mes restes, en fait, pour les côtes du col... du bas du t-shirt et des manches, je vais utiliser en fait cette laine là. Donc c'est de la laine que j'avais que j'ai tricoté pour mon t-shirt Mademoiselle Kate de Même les anges tricotent. Il me restait tout ça, donc je vais l'utiliser en fait pour faire les côtes. Ça va faire un bon contrastant. Et du coup voilà. Donc je suis bien contente d'utiliser un reste. Donc je savais pas en fait si j'allais pouvoir en avoir assez pour un jacquard. Je me suis dit ça c'est très bien pour ça. Voilà. Voilà. Ouais. Non ça va. Je me demandais si pour les manches je pourrais pas juste utiliser pour les manches pour faire un truc. Faudrait que je vois. Je verrai à ce moment-là. Voilà. Ensuite, deuxième test que j'ai eu l'occasion d'être choisie, en fait. Donc hier, lundi, j'ai la rare fois où je peux aller sur Instagram, je vois dans la story de Même les anges tricotent, donc Laetitia, qu'elle fait un appel au test pour son pull Mahana, donc soit Lady Mahana pour les femmes adultes, soit Mahana Little pour les enfants. Les enfants, ils appellent pas. Ils sont au lit, là. Et du coup, je me dis, c'est bien. C'est un pull, en fait, qu'elle présente depuis un moment. Et je le trouvais, mais alors, d'une beauté. Ses couleurs et tout, c'était vraiment beau. Mais je voulais utiliser des laines de mon stash. Et du coup, j'ai quand même demandé si la taille 105 y avait encore. Et elle m'a dit oui. Donc, j'ai été acceptée. Et je suis allée farfouiller dans mon stash tout à l'heure. Enfin, j'avais déjà l'idée du coloris. Donc c'est un pull en fait en jacquard. Et je vais utiliser en fait cette laine là pour... Ouais, là vous l'avez bien. Sur un gris anthracite.
Cette laine-là, pour... C'est Honor, ma chaîne qui enfle. C'est terrible. D'ailleurs, je vous ai mis avant une petite vidéo avec... Enfin, on était dans notre jardin, immense jardin, et Onel était avec nous, avec ma fille. On a été faire un petit tour hier soir avec ma puce pendant que papa s'occupait de mon petit poulet. Donc voilà, donc ça c'est, ça sera la laine pour le coloris principal. Et avec ceci, ça, ça sera la laine pour le pour le coloris contrastant. Emma, reconcentre-toi. Donc en fait c'est de la petite petit bout de laine, hein, donc les deux. Ici c'est Fallen Rock et ici c'est Tache de Myrtille. Voilà. Ça va être une beauté. Celle-là je la dessinais pour faire le gilet Saiga, mais je regarderai pour une autre laine, hein, j'en ai encore, donc voilà. Ça va être beau. Donc voilà. Donc mon but. Là on a. J'ai déjà reçu le. Le patron pour le pull Mahana, Lady Mahana, j'aimerais bien commencer demain. Voilà. Je vais aller bobiner au moins un écheveau juste après. Je le commence demain. Aujourd'hui, je fais le romantisque. Je finis la petite pelote et je lance une manche. Et pour le pull, je ne sais plus le nom, de Malora et Design... Le t-shirt un peu. Je le commence, on l'aura sans doute vendredi ou fin de semaine, je le commencerai début de la semaine prochaine, comme ça, ça me permet d'avancer en fait un peu sur chaque projet. Et ce week-end, en fait, on est pas mal invités, du coup, je vais pouvoir, comme on a pas mal de voitures, de temps de voitures, je vais pouvoir tricoter en même temps. Donc je suis contente. Je prévois tout. Voilà. Bah, écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Je vais aller m'empresser d'aller bobiner un de mes écheveaux et aller continuer à faire le romantisque. Et puis voilà. Ça fait plaisir de revenir vous voir cette semaine en vlog. Merci beaucoup pour vos commentaires, ça fait énormément de bien. Allez, je vous souhaite un bon café et nous on se retrouve juste après pour moi demain. Gros bisous. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 6 avril, et aujourd'hui il fait pas beau. voilà, on se retrouve, je suis pas venue hier, pas trop le temps avec les enfants, mais du coup me voici aujourd'hui, fatiguée, mais on y va. Du coup je vais vous montrer mes avancées sur ma blouse romantique, c'est une blouse. Enfin, je vous l'ai mis dans la vidéo avant. Ça. Hop, excusez-moi. Alors, j'en étais à... mardi, je voulais finir la fin de mon premier écheveau et commencer la manche. Et en fait, c'est ce que je j'ai. Attendez, il ne faut pas que je perde de... Hop. Alors, j'ai fini la fin de mon premier écheveau. Je suis à quelques centimètres en dessous des emmanchures. Je l'ai essayé du coup mardi soir après avoir fini mon premier écheveau, c'est vraiment magnifique, il est trop beau. Et là j'ai commencé ma première manche, il me reste une douzaine de centimètres environ avant de faire le point smoké. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je dis toujours, je vais essayer d'arrêter, désolée, encore une fois. Le but serait pour la fin de cette semaine de finir en fait la première manche parce que ce week-end en fait on a pas mal de routes et j'aimerais bien avancer comme c'est du jersey en fait ça sera plus facile pour moi tricoter dans la voiture. Donc le but ce serait de finir la manche, donc les 12 cm, une douzaine de centimètres qui me reste à peu près, le point smoké et finir la manche et de remettre la deuxième manche sur les aiguilles, comme ça dans la voiture je pourrais dérouler du fil sans trop y penser, ça ira plus vite. Et voilà, donc pour ce week-end ça serait de finir la première manche et de mettre la deuxième manche en route, après on verra bien ce qu'il en est la semaine prochaine. La semaine prochaine ça serait de continuer le corps aussi. Et voilà. Donc c'est une petite pépite à tricoter. Vraiment, pour le coup, le plus dur, c'est vraiment ouais, le point smoké. Et après, c'est que du jersey, en fait. On a...
C'est et le chien vient m'embêter. C'est le petit, donc il est un peu pénible. Oui, va faire dodo, loulou. Tu peux pas faire un petit dodo? Va faire dodo. T'étais pénible ce matin. Va faire dodo. Allez. Mais oui, je t'aime. Mais va faire dodo. Allez. Désolée. Du coup, voilà. Donc, le point, c'est vraiment. Ça fait des légères nuances et c'est magnifique. Très facile à tricoter, sinon. Le point est super bien expliqué. Voilà. Donc, ça serait ça mon but. Je vous ai pas montré aussi mon petit marqueur pour ma manche. Je fais des bêtises. Faites pas attention. C'est un. J'en ai marre, il fait que des bêtises. C'est un marqueur de Art Mirabilia en forme de tête de mouton que j'ai. Des bêtises. En fait, il voit pas grand-chose. Du coup, il se coince partout. Non, tu vas faire dodo. Voilà. Donc, on revient, désolé. Ona, elle protège sa gamelle contre Tex. Elle est un peu pénible. Du coup, voilà. Donc, les nuances sont magnifiques. Le coloris est magnifique. Et du coup, voilà. J'ai fini avec ça. On verra bien comment j'avance avant la fin de la semaine. Et mon but, ce serait de finir la première manche. Voilà. Ensuite, pour ce qui va sauter sur mes aiguilles, normalement, si tout va bien, cet après-midi, ce serait le Lady Mahana. Que j'ai bobiné un des chevaux, les chevaux de mon coloris principal, et je voulais vous le montrer. Et c'est celui-là. Et c'est un beau gris anthracite, mais qui brille, et je le trouve magnifique. Voilà. Du coup, je vais le mettre sur mes aiguilles bah, juste après, en fait, en montant la vidéo. Et puis on verra comment on s'en sort. Voilà. À écouter, sinon j'ai pas grand chose de plus à vous montrer. Je vous reprendrai peut-être plus demain pour papoter encore. Et voilà. Peut-être, j'espère moins fatiguée, on verra bien. Du coup, je vous retrouve demain. Gros bisous. Coucou! On se retrouve pour le dernier jour du vlog. Donc on est le vendredi 7 avril aujourd'hui. Ça commence à se dégager, il faisait pas très beau ce matin et là il commence à faire un peu de soleil, du coup j'ai la lumière sur le côté. Aujourd'hui je porte mon gilet Risp, donc le gilet qui sort aujourd'hui de Lucienne Tricote. Je vais vous le représenter comme ça sera fait. C'est un gilet en fait qui se tricote en laine d'Eka. Attention, le chat il mange les croquettes. Bon, ça va. En laine d'Eka, en aller-retour du haut vers le bas. C'est un gilet en raglan, donc on voit qu'il y a des petits trous là. Donc c'est des augmentations qu'on fait sur les devants et les derrière des manches. Et c'est un gilet avec un jeu de rayures en fait, normal, enfin, dans le patron, avec les kits de la laine de la teinturière, je vous en parlais juste après. En fait, c'est un dégradé de couleur, soit de vert comme moi j'ai là, vu que j'ai pris justement les couleurs de la teinturière, soit de rose en fait. Voilà. Et c'est soit en naturel blanc comme ça, ou soit en coloris charbon ou carbone. Donc c'est pas noir mais gris foncé. Voilà. Alors, donc c'est un dégradé de rayures. Qui se tricote très très rapidement. Vous pouvez faire vraiment un jeu de rayures très sympa avec, pas obligé de faire parce que nous c'est demandé 4 couleurs, 4 rayures de la même couleur à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire plein plein de couleurs comme vous l'entendez. C'est un gilet qui se tricote très très rapidement. Même moi j'étais étonnée d'avoir tricoté aussi rapidement. Je me disais j'ai dû faire une bêtise entre deux, c'est pas possible. Mais non, c'est un gilet qui se tricote très rapidement, qui monte très vite. Enfin, le souci, il faut garder en tête que c'est des rayures d'un rang en fait. Et du coup, à chaque rayure, il faut couper la couleur principale et la couleur de la rayure. Et en fait, il y a beaucoup de fils à rentrer à la fin. La bande de colure se tricote après.
On commence du coup par la bande de boutonnage qui est ici. Pour finir, enfin de l'autre côté, là où on va coudre les boutons. Faut savoir que moi je n'ai jamais tricoté avant de bande de boutonnage et du coup au début c'était vraiment pas, on le voit, c'est vraiment pas très régulier. On voit même ça fait un peu des petites vagues. Mais en fait après avoir pris le coup, ça se voit que c'est beaucoup plus par rapport à là. Là j'ai dû recoudre un truc de bouton, je m'étais trompée. Voilà. Et du coup, bah en fait, c'est pas difficile, c'est juste que j'ai pas l'habitude, enfin, j'avais jamais cousu de bande de boutonnage avant, et du coup, voilà. Donc, je l'ai tricotée dans les laines de l'atelier teinture. Elle a fait des kits, et bah même elle a pris ma photo pour mettre sur ses kits, pour montrer le rendu, donc j'en suis très contente. Et du coup, voilà. Magnifique, c'est un doudou à porter, pas trop épais non plus, donc vraiment pour cette saison c'est nickel. Il me semble aussi que, je sais plus le nom, mais qu'il y a un calque organisé sur du coup Instagram pour tricoter ce gilet du coup. Donc bon, si vous voulez y participer, allez-y, c'est vraiment un gilet très simple à faire. Et ouais, voilà. Comme c'est de la déca, en fait, il n'y a pas beaucoup de mailles sur les aiguilles. Et vraiment, c'est super. Voilà. Donc, voilà mon visp. Alors. Préparez-vous un café. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Alors, je reviens, du coup, avec deux avancées. Je vais d'abord vous montrer bah, la plus grosse, quand même. J'ai avancé... Enfin, vous n'allez peut-être pas forcément voir... Mais j'ai avancé en fait sur ma manche de ma blouse romantisque. Il me reste 4 cm avant de faire le point smoké. Je vais le faire cet après-midi, il doit m'en rester une douzaine de rangs. Et après je pourrai faire le point smoké et après remettre la deuxième manche sur mes aiguilles. Comme ça ce week-end, comme je vous l'ai dit, je vais pouvoir avancer un max dans la voiture. Et voilà. Donc c'est une beauté. Mais une beauté, et puis avec la couleur, je vous assure que c'est magnifique. Voilà. Donc ouais, vraiment, j'ai plus grand chose à faire sur cette manche. Je vais m'y atteler cet après-midi, pendant la sieste des enfants, et puis on verra bien comment je m'en sors. Sinon, je continuerai ce soir, en début de soirée, et puis après, je finis, je continuerai sur mon deuxième, le projet que je vais vous montrer là. Je vous avais tout présenté. Hop. J'ai des cheveux partout. Le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est le Lady Mahana de Même les anges tricotent. Donc j'ai vraiment que commencé. Hein. J'en suis en fait... donc c'est un pull en jacquard, hein, je vous l'avais dit. J'en suis aux côtes... j'ai bientôt fini les côtes du col. Je dois faire 2 cm. Attendez, je fais des bêtises avec mon ordinateur. Voilà, je dois faire 2 cm, j'y suis bientôt, donc je continuerai cet après-midi. Enfin, ce soir plutôt. Ce soir. On ne peut pas tout faire, on n'a pas 4 mains. Ça serait bien, mais bon. Et du coup, voilà. Voilà, voilà. Une beauté, une pépite. Vraiment, la laine, elle est magnifique. Elle a un super rendu, un super... je sais pas si on le verra. Mais... elle brille, elle est vraiment... j'adore. Moi, ouais, j'avais jamais osé tricoter du si foncé que ça, mais... ouais, j'adore. Vraiment, ça va faire un rendu avec la couleur... Excusez-moi, attendez. Hop, la couleur contrastante. Désolée, j'ai mon ordi d'ouvert. La couleur contrastante, ça va faire un rendu du tonnerre. J'adore. Du coup, ça, je continuerai ça ce soir après avoir fini la première manche. Et ce week-end, si j'ai le temps, je pense que oui, je vais y arriver. Lundi, j'ai reçu aujourd'hui le patron de Malorae Design. Du coup, je vais pouvoir commencer lundi du coup son t-shirt. Je ne sais toujours pas le nom, je vous le dirai juste en dessous. Et du coup, voilà. Eh bien, écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire de plus, à part de passer un bon week-end de Pâques, c'est plus important. Je commencerai du coup le vlog mardi parce qu'on est encore invité lundi et après ça va faire ça va pas être possible de filmer. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Mangez pas trop de chocolat, gardez-en pour les autres jours, c'est le plus important. Profitez, j'espère qu'il fera beau.
et profitez de vous, profitez de votre famille et faites attention à vous. Allez, gros bisous, à lundi!